Je vais recharger le briquet en gaz. Voilà. Et maintenant, on va voir si ce magnifique iPhone crame. Les amis, j'espère que vous êtes prêts. Attention. 3, 2, 1. Let's go. C'est parti. Oh, il y a un trou. Oh, regardez en bas. Oh, what the fuck. Yo la team Pika, j'espère que vous allez bien les petits potes. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo les amis. On va essayer de cramer des objets avec le briquet le plus puissant du monde. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo où vous avez découvert ce briquet qui est le briquet le plus puissant du monde. Dites-vous qu'avec ça on peut transpercer les canettes en moins d'une seconde. C'est un truc de fou. Aujourd'hui dans cette vidéo on va essayer de cramer des trucs. Là les amis, on va cramer des gros trucs. Vous allez voir, ça va être incroyable. Juste avant que je vous présente les produits les amis, likez, je compte sur vous, bombardez la barre de pouces bleus. Ça me fait super plaisir, la dernière vidéo elle a été en tendance. Donc je compte sur vous pour bombarder, on essaye d'aller encore une fois en tendance. S'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Si chaque personne like, on peut y arriver. Commentez aussi, dites-moi en commentaire quel objet on pourrait brûler dans une prochaine vidéo et je le réaliserai. Voilà, mettez un commentaire, je réponds à tout le monde. Abonnez-vous si jamais c'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos, les gars. Si jamais vous n'êtes pas abonné, vous verrez pas les prochaines vidéos. Et ça, c'est assez dommage, surtout que c'est gratuit. Et partagez à tous vos potes, je compte sur vous. Bon, c'est parti, je vais vous montrer un petit peu les objets qu'on va cramer dans cette vidéo. On va cramer en tout premier un stylo de la sécurité routière. Les pauvres, ils avaient rien demandé. On va voir si leur stylo est résistant. On va cramer aussi, regardez, un petit cadenas casino les amis. Est-ce que ça va résister? Je sais pas du tout. On va essayer de le chauffer au cœur, de chauffer la partie cadenas. On va voir si le briquet le plus puissant du monde peut faire fondre un cadenas. Ensuite on commence à cramer de l'électronique les amis. Le troisième produit sera des écouteurs. Regardez, c'est des petits écouteurs, bon, éclatés au sol hein. Je crois que ça vaut 5 €. Regardez comment c'est. Mais on va essayer de les cramer, voir comment ça résiste. Surtout que ça peut être intéressant parce qu'il y a une batterie dedans, donc ça risque de faire une explosion. Ensuite on aura une genre de GoPro. Bon, c'est pas une GoPro, mais c'est une caméra d'action. Moi j'ai envie de la cramer juste sur la lentille là. Ça va être incroyable. Et mesdames et messieurs, pour le dernier produit, on va cramer un iPhone 14. Restez bien jusqu'à la fin parce que là ça va tout cramer. Peut-être que je vous ferai gagner, mais quand il sera cramé du coup. Les amis, j'espère que vous êtes prêts. Et regardez, j'ai mis une belle petite caméra ici pour bien voir ce qu'on va cramer. Regardez, la caméra elle va pointer juste là. Let's go. Ok, bon bah j'ai pris un carreau les amis parce qu'il faudrait pas que je brûle la table. Ça serait assez dommage. Les amis, c'est parti, on va commencer par ce stylo. Je sais pas dans quel état il va être, ça va être horrible. Le truc qui va être horrible aussi, c'est que ça va puer ici. Ça va sentir le cramer. Je vous ai pas montré le briquet les amis, mais le briquet c'est ceci avec cette flamme là. Regardez, c'est Star Wars. C'est une flamme les amis qui peut monter jusqu'à 1000 degrés. Je peux vous dire que c'est très très chaud. Faut pas mettre son doigt. On va recharger tout ça. Tiens, on prend et on pousse. Ok, bon je pense que je vais le mettre comme ça, voilà ça ira. Maintenant les amis, est-ce que vous êtes prêts pour le briquet vs stylo? Let's go. Je pense que je vais commencer par la mine, je sais pas, je le sens bien. Attention, c'est parti. Let's go. Ah oui, ça prend feu direct. Ah oui, ça va puer en fait. J'aurais peut-être dû prendre de l'eau les amis. Pourquoi j'ai pas pris de l'eau? Pourquoi je suis bête? Oh. Oh, ça pue. Les amis, ça crame. Ah ouais, là le stylo il a complètement fondu. Par contre je vais mourir intoxiqué je pense. Ok, il me faut de l'eau, il me faut de l'eau. On est sauvé. Oh, il y a de l'encre qui a commencé à tomber. Oh, ça pue. Regardez l'encre, ça fait un truc trop bizarre. Bon, on va attendre que ça refroidisse avant. Ok. Oh, ça gicle. Bon, faudrait quand même que je m'équipe d'une plus grosse bouteille d'eau, hein, quand même. Faut le prendre. Oh, waouh, la mine, elle est sortie. Votre ami, est-ce qu'il écrit toujours? Il me faut une feuille. Une feuille. Bon, j'ai pas une feuille, mais j'ai un morceau de carton. Est-ce que ça marche? Ouais, il est mort, il est mort. Bon, bah, les amis, le stylo a complètement cramé. Il a vraiment une gueule bizarre. Regardez la tête qu'il a. Je pense que là, c'est la fin de ses beaux jours. Il aurait tellement pu avoir une meilleure vie et écrire un livre. Finalement, il a fini carbonisé. Bon, petit coup de nettoyage vite fait. Hein. Ne jugez pas mon nettoyage. Avec un sac. Ok, les amis, maintenant, on va passer à un objet que je voulais trop voir cramer. Le cadenas. Est-ce qu'on peut faire cramer un cadenas, l'ouvrir en deux avec une flamme? C'est ce qu'on va voir. Alors, je sais pas trop par où commencer à le prendre. Je sais pas si je le prends en haut ou d'en bas. J'ai bien envie de le prendre en bas. Je vais le mettre comme ça. À votre avis, est-ce qu'il va cramer? Dites-le moi en commentaire. Je prépare ma flamme. C'est bon. Je sais pas si vous voyez, mais là sur le côté, j'ai une sécurité. En fait, genre, quand je l'active, je peux plus allumer le briquet. Et quand je le désactive, que j'appuie et que j'active, la flamme reste bloquée. C'est incroyable. Si jamais ce briquet vous intéresse, vous avez le lien en description de vidéo, les amis. Ok, c'est parti. Je vais commencer par là et ensuite, je ferai autre part. Les amis, j'allume la flamme. Ok, attention. 3, 2, 1, let's go. Ok, déjà, il commence à changer de couleur, les amis. Il change de couleur. Est-ce que je peux le laisser poser, vous croyez? Ah oui, regardez. C'est beau.
Tu vas se passer un truc, est-ce que ça peut me péter dessus? Ah, je vais le tenir à la main, on sait jamais s'il y a une explosion. Bon, ça a pas l'air de faire grand chose. On va remettre du gaz. Voilà, un peu. J'ai pas dit mon dernier mot les amis, je vais essayer de cramer en fait la... Bah, le cadenas. C'est reparti, hop hop, let's go. Je pense que ça va fondre les amis, j'espère que ça change de couleur, ça commence à devenir un peu noir. Oh, ça devient rouge. Les amis, ça devient rouge. Oh, il devient bien rouge là. Je vous dis que c'est le briquet surpuissant. Bon, il devient méga rouge, regardez ça. Mais ça se découpe pas, on va le mouiller. Avec un peu de chance, ça va exploser. Oh, on aurait dit un Enderman dans Minecraft. Oui, je fais des pattes là-haut. Ok les amis, maintenant que le cadenas a un petit peu refroidi, j'ai la clé et on va voir s'il s'ouvre toujours. Attention, on va voir ça. Je mets la clé à l'intérieur. Attention, est-ce que ça va marcher? 3, 2, 1. Oh, incroyable. Les cadenas casino les amis, c'est vraiment les meilleurs, achetez-les. Bah ouais, j'ai un cadenas, je pourrais dire qu'il a fait la guerre. Je sais que vous me jugez avec mon sac, hein, mais me jugez pas s'il vous plaît. Les amis, maintenant on va passer à un truc un peu plus impressionnant, des écouteurs. Là, je me demande vraiment comment ça va se passer. Va falloir vraiment faire attention que ça explose pas. Je vais poser ça ici, ouvert comme ceci, voilà, on les laisse ouverts. Par contre, je vais recharger, parce qu'il faut vraiment une grosse flamme. Allez là, hop, let's go. Les amis, j'espère que vous êtes prêts. Moi non. Mettez un pouce bleu, je compte sur vous. Attention. 3, 2, 1. Ok, c'est parti. Adieu, adieu, monde cruel, les flammes de l'enfer. Oula, oula, ouh. Vous croyez que ça va exploser? Ma bouteille d'eau. Ok, on va l'éteindre parce que ça fait un gros nuage noir. Ça ressemble plus à rien. On dirait une grosse merde. Déjà j'arrose, comme si j'arrosais une plante. Peut-être que ça va repousser. Ok, bon les amis, ça ressemble plus à rien. Est-ce que c'est chaud? Oh, les écouteurs les amis, ils ressemblent plus à rien. On dirait une merguez carbonisée. Regardez ça, on dirait une merguez carbonisée. J'arrive même pas à... Ah, je peux même pas enlever l'écouteur. Ah non, il a fusionné avec. Regardez la coque et tout derrière. C'est fini pour eux. J'aurais peut-être dû mettre une musique et écouter quand ils étaient morts. Et si jamais vous laissez un gros like, on le fera dans une prochaine vidéo. Bon ben voilà. Oh, oui, c'est... Ah, ça s'est détaché. Voilà, ça s'est défusionné. Et ben voilà, c'est KO. Ça marche plus, c'est mort. Ça ressemble à plus rien du tout. Poubelle. Bon, par contre, je suis en train de faire inondation sur la table. Hein. Il y a toute l'eau qui est en train de partir sur toute la table. Les amis, maintenant, on va passer sur la GoPro. Bon, comme je vous dis, c'est pas une GoPro, c'est une caméra d'action. Pas action le magasin, hein, c'est juste une caméra de sport quoi. Je me demande à quoi ça va ressembler quand on va brûler la lentille. On va poser ça ici, voilà. Et là, c'est parti pour le grand spectacle. Bon, bien sûr, c'est une caméra qui marche plus les amis, sinon je l'aurais pas cramé. Hein. Elle marche plus, faut qu'elle aille à la poubelle. Mais avant ça, barbecue. Ok, bon pareil, là ça va faire beaucoup de fumée, ça va faire beaucoup de feu. C'est ça qu'on veut. Il faut faire attention que ça explose pas. Je vais directement brûler la lentille qui est juste ici, on va voir ce que ça donne. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. C'est parti. Attention, flamme. Vous voyez comme ça brûle très très vite. Ça brûle très très vite. Le briquet, il brûle vraiment ça en 2 secondes. C'est très dangereux. Wow. Wow, ça fait un trou à l'intérieur. J'ai l'impression d'être Harry Potter. Experiamus, Flammus, Explosito. Ça a l'air pas trop mal. Petit barbecue party avec les abos. Likez. Bien sûr, c'est réalisé par des professionnels. Je suis un professionnel. J'ai ma bouteille d'eau. Une minute de silence pour la GoPro. Les amis, elle s'est carrément ouverte en deux. C'est incroyable. Par contre, il y a la batterie. La batterie n'explose jamais. C'est fou ça. Pourquoi la batterie n'a pas explosé? J'attendais que ça, moi, un feu d'artifice. Ah ouais, là, ça m'étonnerait qu'elle puisse encore enregistrer mes vacances à la piscine. Ah ouais, là, elle est complètement... Ah, c'est chaud, c'est très chaud. Voilà à quoi la GoPro ressemble, les amis. Plus à grand chose. Regardez, il y a un trou à l'intérieur. Le bouton, il marche plus. Là où on met la carte SD, on voit carrément à travers. L'écran, n'en parlons pas, hein. Il est complètement mort. Non, la GoPro n'a pas survécu, les amis. Pas très résistante pour une caméra de sport. Bon, par contre, ça pue le cramer. Ça pue le cramer, j'en peux plus. N'hésitez pas à m'embaucher, les amis. Ajoutez-moi sur Instagram, envoyez-moi un message privé. Marquez Pika, j'aimerais t'embaucher pour nettoyer ma maison. Voilà,
je vous répondrai. Les amis, on va passer maintenant au moment que vous attendez tous. Et moi aussi d'ailleurs. L'iPhone, les amis. Est-ce que cet iPhone va cramer? On va le sortir de sa boîte. Hop, 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 hop. Voilà le magnifique téléphone, les amis. Il va cramer, il va prendre feu, il va exploser. Regardez-moi ce magnifique iPhone 14. Oh, oh. Mais non, les amis, c'est un faux, je rigole. Regardez ces Chinois, ils ont mis carrément le flash au milieu. Regardez ça, c'est des fous, ils ont même pas respecté. Non, les amis, ne vous inquiétez pas, c'est un faux iPhone, il ne marche pas du tout. Enfin, je sais pas, en fait. Mettre en charge. Non, les amis, après moult essais, ce téléphone ne charge pas, donc c'est un téléphone complètement vide. Bon, comment on va placer ça? Parce qu'il faut bien le placer, hein. Parce que je vais le mettre comme ça et comme ça, il va pouvoir tenir debout et cramer de bas en haut. Je vais recharger le briquet en gaz. Voilà. Et maintenant, on va voir si ce magnifique iPhone crame. Les amis, j'espère que vous êtes prêts. Attention. 3, 2, 1. Let's go. C'est parti. Oh, il y a un trou. Oh, regardez en bas. Oh, what the fuck. What the fuck. Regardez, l'écran, il brûle. Les flammes de l'enfer. Oh, il pète. Il a pété. Oh, l'écran est en train de s'ouvrir. Oh, c'est un sapin de Noël là. Wow. Oh, l'écran s'est décollé. Plus de gaz. À l'attaque. Odeur bizarre là par contre. Oh ah oui, par contre il prend bien le feu, hein. C'est chauffage parti, hein. Bon ben les amis, c'est la fin de ce petit iPhone. J'espère que vous l'avez aimé tout autant que moi. Fabriqué fort par des petits Chinois qui ont voulu arnaquer Apple. Aujourd'hui il n'a pas survécu. Adieu iPhone. Moi toi, églou, 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 églou. Je crois que maintenant j'aurais bien aimé voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Attendez, mais what? Non, il marchait, c'était un vrai iPhone. Mais il y a l'emplacement pour la carte SIM. Oh non, les amis, j'ai brûlé un vrai iPhone qui avait le potentiel de téléphoner. Il est déglingué, il ressemble plus à rien, il a pris cher dans la gueule. Voilà, bah là, il pourra téléphoner en enfer. Oh, ça crépite et tout, j'espère que ça va pas exploser quelque part. Écoutez les amis, en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, je compte sur vous, à me marquer en commentaire quel produit on pourrait essayer de cramer. Une manette de play, une Apple Watch, des AirPods. Bref, vous marquez tout ça en commentaire, moi j'ai très très chaud. Je suis en train de carboniser, autant que l'iPhone. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo si c'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine, c'était Pika. Peace tout le monde. Ouh les amis, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos disponibles sur la chaîne. Je compte sur vous aussi à vous abonner si jamais c'est pas encore fait pour louper aucune autre de mes vidéos. À vous abonner aussi à ma chaîne secondaire si c'est pas encore fait. Partage, like, commente, je compte sur toi et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.